Aujourd'hui, nous commémorons les morts. Ce mégaphone est celui des morts, de ceux et celles qui nous ont quittés trop tôt de façon tragique. Ma voix est leur voix, la voix de ceux et celles assassinés injustement par la police. La voix de ceux et celles injustement assassinés par le SPVM. Ma voix est leur voix pour que personne ne les oublie. Mes mots sont leurs mots pour qu'un jour justice leur soit rendue. Ces morts, ils sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, des fils, des filles. Ils ont des familles et des amis qui s'en remettront peut-être jamais. Combien de morts ça va prendre pour comprendre? Combien de vies détruites? Combien de vies bouleversées? Personne ne mérite d'être assassiné, fusillé, électrocuté ou battu à mort dans l'impunité la plus totale. Mais qui nous protège de la police? Disons-le, le meurtre de citoyens par la police est un assassinat politique. Oui, un assassinat politique, car chacun de ces meurtres se fait dans l'impunité la plus totale avec la complicité des collègues des policiers impliqués, la complicité de la fraternité des policiers et des policières, la fraternité les supporte. Il se fait aussi avec la complicité de la direction de la police, des médias de masse, ainsi que des autorités politiques et du système judiciaire. Nous sommes aussi collectivement coupables. Notre silence et notre passivité sont aussi complices de ces assassinats politiques. Il est donc de notre devoir de combattre et de dénoncer ces injustices, car sinon, l'histoire se répétera et des vies seront encore détruites par ceux et celles qui sont supposés nous servir et nous protéger. Pendant que les budgets des services de police augmentent, la criminalité, elle, n'augmente pas. Pendant que la pauvreté et la détresse psychologique augmentent, l'aide, elle, n'augmente pas. Où des policiers interviennent auprès de civils et que la situation se termine en drame nous montre clairement que les policiers sont loin d'être des travailleurs sociaux, mais de simples agents de répression. Depuis 1990, les crimes sont en baisse, alors il serait peut-être temps de réduire les budgets de la police et de mettre l'argent où qu'on en a vraiment besoin, soit dans les services sociaux, la santé, l'éducation, le logement, l'alimentation. Mais qui nous protège de la police et de leur impunité? On voit régulièrement des enquêtes parallèles aux enquêtes officielles pour orienter les témoignages des policiers impliqués dans le meurtre de civils. On voit régulièrement le non-respect des scènes de crime ou le non-respect de la conservation des preuves, comme par exemple des vidéos de surveillance. On voit régulièrement l'octroi de délais dans les processus d'enquête afin de permettre aux policiers impliqués de se consulter pour ajuster leur version après avoir reçu des informations sur les versions des témoins civils ou des données sur les scènes de l'événement. On voit souvent la radiation de certains témoins dans le but d'éviter des témoignages compromettants. On voit très souvent la fabrication ou la destruction de preuves. On voit très souvent la manipulation du processus judiciaire en exploitant des relations de solidarité existantes entre les différents intervenants de l'appareil judiciaire, soit les policiers, les procureurs, les coroners. On voit très souvent la rétention stratégique de certaines informations, tandis que d'autres, favorables aux policiers, sont divulguées dans les médias par les corps de police. On voit très souvent des déclarations officielles avant même la fin de l'enquête offrant des conclusions non fondées au moment où elles sont faites. On voit très souvent des campagnes intensives de relations publiques orchestrées afin de contrer l'image négative des meurtres de civils par la police. On voit très souvent des campagnes visant à discréditer les groupes ou les personnes qui critiquent publiquement le travail des policiers. On voit systématiquement le refus des policiers ou des corps de police de reconnaître leurs torts ou d'exprimer des regrets ou même de formuler des excuses.
On voit très souvent, ou même pratiquement toujours, le manque de préoccupation des autorités envers les victimes secondaires de ces incidents, soit les familles, les amis, les proches. Ça va prendre pour comprendre. On a le même système, les mêmes lois, les mêmes institutions, les mêmes enquêtes qui sont supposées être impartiales mais qui au final protègent les flics assassins. À chaque fois que la police tue un citoyen, c'est un peu de nous tous et toutes qui meurent en même temps. Faut arrêter de dire que ça nous touche pas, que ça nous concerne pas, car au final, le droit à la vie, le droit à la dignité humaine, ça nous touche toutes et toutes. Si on laisse un policier, un service de police, un appareil judiciaire ou un État tuer des citoyens impunément, on risque fort bien d'être le prochain, tôt ou tard.